Bonjour, bonsoir, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, nous poursuivons la découverte de Soma, cet énigme-jeu dans les profondeurs, enseveli sous les eaux, à la poursuite, non pas du diamant vert, en revanche, à la poursuite de notre propre salut, parce que tout est étrange à ce moment-là. On a visité des stations, on a découvert des cadavres, on a été poursuivi par des robots tueurs, on a enfilé une combinaison moulante, et... Ouais, tout ne se vaut pas forcément, mais c'est sympa quand même. Et donc voilà, retour sous l'océan. On a réussi à fuir in extremis, après bien sûr avoir perpétré des meurtres horribles. On a trouvé une forme d'issue. On est arrivé là. On a activé ce qui devait l'être, ici. Et tout s'est rempli d'eau. C'est parti. Ok. Ok. I can find Lambda, right? I mean, really, how big can this ocean be? Quel super... Mais c'est le premier truc que tu te poses comme question, bien sûr. Après avoir perpétré des meurtres horribles, après avoir été poursuivi par des robots tueurs, évidemment. Oh mon dieu! Si je veux faire un duplex, si je veux acheter un appart au fond de cet océan, je me demande bien quelle superficie ça doit faire. Premier réflexe, évidemment. Ça, on sent quand même que c'est le... C'est un gars de droite, hein. Alors, moi, à Paris, mon immense appart de 12 mètres carrés. Ok, je préfère me cacher là, c'est... Oh non. On n'a pas de bulle d'oxygène ou quoi. Qu'est-ce qu'on a entendu là? Pardon? Excuse me? Bon, on peut courir un peu hein, ici. Mais non, c'est. C'est une baleine là que j'ai entendu. Enfin, en train de faire. Squeaker, squeaky. Squeakera. Ok. Vous entendez, hein? Ou alors une immense crevette. Armée d'une fourche. Ou alors c'est un Bernard Lavergne qui chante. Ça, c'est du rototo de crevettes. Hein. P. PQDO, c'est ça? Non? Bon, pas. Une poule aquatique, peut-être. Là, c'est la station où nous sommes allés. Le gentil mais agaçant petit robot qui nous suivait, il est resté de l'autre côté. Ah! On trouve des Xbox même ici. Apparemment, quelqu'un a eu la lucidité de la jeter au fond des océans et d'aller se ruer vers un PC pour faire du vrai gaming. Oh! Pardon! Désolé! Petit rappel, quand c'est rouge, c'est pas Jean-Jean, hein.
Attention, un joueur sur Linux! Attends. Non, non! Non, 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 non! Mais il me poursuit! Oui, ça critique Linux. Après, c'est trop facile de critiquer les infirmes, mais... Attends, on va pas s'attaquer à des... à des consoleuses, c'est trop facile aussi. C'est mon métier. Alors, bien sûr... Les sacs à second degré sont sous vos sièges. N'hésitez pas à vous munir de votre sac de second degré. Les sorties de secours sont par là et par là. C'est bon, il est passé là ? Non, il est là encore là. Il va se tourner. Ils nous ont laissé pourrir, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. Possible de partir. Ok, il revient. Ok. Ok là. Mais là il y a le rôle à baleine, le rôle à crevette avec son harmonica là qu'on entend. Et je peux pas. Ça nous fait une The Witcher? Est-ce qu'on va faire une run? Allez. Na 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 na. Oh. Ça fait pas toujours ce bruit là quand je fais. Quand je. Qu'est-ce qui va se passer? Oh. Non? Ok. Mmh. Allez, allez. Très bien. Bon. Lambda, c'est là ou. Oh. Enfin! Alors là, l'Omnitool, c'était un appareil hein, qu'on pouvait modifier, améliorer et tout, et qui nous permettait de rentrer en contact. Ok, de retour. Succès déverrouillé, poursuit Catherine. Tu sais que c'est illégal, hein. Je suis désolé, mais à un moment donné, il va falloir. Oh, pardon, je voulais pas dire que c'est illégal. Pardon. J'ai une caisse, je saurais m'en servir. Ça pourrait être pire. Il pourrait y avoir des fournis carnivores. Je tiens à dire qu'Indiana Jones 4 n'a jamais existé. Catherine. Qui n'aime pas vexer les PNJ? Oh! Frédéric Molas. Et ferme-toi sur moi! Non.
Mais moi ça va. Oh. Ça me rappelle vraiment Alien Isolation hein. Sur certains fonctionnements. Il est parti, nous n'avons plus rien à craindre maintenant. Il est parti. La prochaine séance de Zumba est prévue le mercredi soir. Pour toute forme de positivisme, n'hésitez pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais... Sheldon? Une disquette, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Simon, right here. Oh mon dieu. Non, pas vous deux. Je pensais vraiment que vous étiez humain. Ne laisse pas la circuiterie vous fouler, j'étais humain une fois. Je ne peux plus prendre, c'est... Tout est foutu. Je me donne, il n'y a rien reste. Calm down, it's not the end of the world. You sure? It sure as hell looks like it. For all I know, there's no one left except for me. What do you mean? I'm right here. Don't take this the wrong way, but I meant any humans left except for me. Have you looked at yourself lately? You're a walking, talking diving suit with some electronics left on for good measure. I don't. You don't want to think about it? We'll start thinking about it. I don't want to do this anymore. I don't want to be this. I want out. Before you do anything hasty, could you help me with something? J'ai fait ça. I was trying to find out what happened with my project when that brute knocked me to the ground. Your project? How could anything possibly matter when you know you're a stupid robot in a stupid dead world? Okay, focus. I need you to fix me so I can get back to work. Then you can sulk as much as you want. You gotta be kidding, right? I think I have a better chance of building myself a time machine than of putting you back together. I just need to access the computer. Oh, is that an Omnitool you're carrying? Oh, the door opener? I picked it up at Upsilon where I woke up. That'll have to do. Plug it into the terminal. Sure, whatever. Okay. When the Omnitool is loaded, just plug my Cortex chip into the tool. What's a Cortex chip? It will be obvious. I'll eject it for you. Just grab the chip and slide it into the Omnitool. Come on, I just need you to do this one thing for me. Sure, whatever. Moi, quand je marche sur un Lego, ça fait pas ça, hein. Ouais. What did you want me to do? The tool you're carrying. Plug it into the computer over there. Ok, c'est bien. Ordinateur. Ok. Lambda terminal 27 activated. Oh. The Omnitool. Je commence à avoir un mauvais pressentiment. Should be easy enough. Ouais, ça fait à peu près 4 ans, 3 fois par semaine. What is a robot chip for the door opener? It's standardized connection. Catherine? C'est pas moi! Let's give this a try. C'est pas moi! J'ai rien fait! Pour une fois que, hein? Non mais y'a des trucs. Organique, j'y suis. Just pretty much anything will fit. Oh, this feels weird. I'm in the Omnitool. Thanks. So, what's the project about? My project? Oh, well, I saved all the people on the station as brain scans and put them into an artificial world. We were going to launch it into space to save it from, well, all of this. Are you telling me that you were going to launch a computer world filled with people into space? Yes. It was just a pet project at first, but it got really serious after the comet took out the surface. Then, suddenly, it became very important, and it was officially named the Ark. That's appropriate. How far did you get? I don't know. That version of me that I am. It came from a scan I did pretty early on. The living Catherine could very well have finished the project and launched it. I guess she could even still be alive. Weird thought. So the talking robots, are they also scans you did? They could be, but I doubt it. I'd expect much more sense if that was the case. Ah, all right, finally. What's happening? I managed to restore some data from the backup server. This should tell us everything we need. Oh. Could you do me a favor and run into the other room and have a look? I don't seem to be able to view the files in this condition. I need to know that the Ark is safe. Sure, Kath.
Non, je viens de dire non, je viens de dire non. Je viens de dire non. What was it you said before? You're from Toronto? Yeah, I just went in for a brain scan and suddenly here I am. That doesn't make any sense. How? Why would anyone bring a scan from Toronto? You think that's strange? What if I tell you it was back in 2015? Whoa. Et là, il nous donne une datation ou pas? Check the computer in the other room. Je sais pas. J'ai pas l'impression. Hein. Alors, pathos 2. Alors, pathos. C'est l'émotion, hein, c'est l'émotionnel. Est-ce que c'est un indice par rapport à, au scénario? Go check the computer in the other room. Ok. C'est quoi? J'éteins la lumière si je veux. Sorry, still trying to figure out how you got it. Voilà. C'est quoi? I'd really like to know who thought sending a Canadian to the bottom of the sea. Regarde! Je veux quitter cet endroit! Ma maman, elle croit fort fort en moi. Mon tonton, il dit souvent à ma maman. What happened before? That creature was strangely. Chérie, est-ce que le dîner est prêt? Puis après, je me réveille dans le nord. Voilà, très bien. Confusing at least. Gives the senses a good punch. Oh. What happened to the tower and the dock and the welcome center? What tower? What are you talking about? This place is in ruins. All the marsh is static. It's so strange. Petit rappel, quand on n'a pas besoin de mettre son doigt dans la lumière, ne le faisons pas. Parce que cette petite source de lumière, cette petite source, si on met un doigt dedans, et bah du coup on récupère des... Ok. C'est à usage unique les îles, visiblement. Hein. Par contre... Ça suinte, hein, ça suinte, hein. Ça rappelle la vie, la vraie vie, en fait. Catherine? What? Nothing. Never mind. T'es vraiment ce genre de gars, hein? Catherine? Quoi? Non, rien. Mm-mm. Oh, mais... Il semble que j'avais... Ah, voilà. Une lampe. Donne-moi d'abord la lampe. Ok, pas de batterie. Pas de courju, pas de courju, pas de batterie. Oh, ah. Oh non, mais. Ça va mieux, Catherine? Catou? Oh non. On est dans la pièce d'à côté. Faut qu'on récupère dans la pièce d'à côté le... Ok, le petit objet, mais il y en a un qui donne des coups de tête dans son... dans la vitre. Katoche, Katoche le robot. Normalement, je suis pas trop débile. Hein. C'est Lisha. Katoche, tes infos sentent mauvais. Moi, je peux courir, hein. Ok, ok. Je vais essayer un peu énervé, c'est bon. J'ai du gazpacho, sinon. Katoche, à la tomate. Alors, tu feras attention, ça pique un peu parce qu'il y a du piment. Mais avec ça, ça devrait aller. Katoche, comme prévu, j'ai le gaspa... Katoche. Ok.
vous êtes dans le caca ici. Tu vois. Ah. Merci beaucoup. Trop super tomate. On va faire rien. Just check the computer. Yes, look for anything about the Ark. Oui, je suis dans l'Ark. Maintenant. Parle. Sondage d'opinion. Vous vous sentez dans la mouise à peu près. Est-ce que les modérateurs peuvent lancer un straw poll pour un sondage d'opinion, s'il vous plaît, pour savoir dans quelle mesure vous vous sentez dans la daube, je veux dire. Alors, dans l'aquadaube, pour rester vraiment de manière contextuelle dans le lore. Mais moi, je dirais à peu près à 0,5% près, je dirais 99, hein, environ. Are you excited about the Ark? Bof. At first, I couldn't really see the point of it. But then I thought, why shouldn't we, right? Il n'y a pas d'intérêt, hein. Comme moi, trois fois par semaine. Save even just a small piece of ourselves. Why wouldn't we do that? So you are in favor of that? I think it's really important we do this. Merci. Ouais, c'est ça, c'est le jeu de 2103. Oh, l'entretien, c'est... Franchement, m'en bats les yeux. Fin de l'entretien. Merci. J'adore. C'est pas... c'est pas mieux là. C'est pas mieux. C'est... Alors lui, son entretien c'est... Bon alors, et toi, t'en penses quoi de l'Ark? Franchement, avant je m'emmerdais. Là, sérieux, je m'ennuie beaucoup moins. Maintenant que j'ai un truc à faire. Sérieux, c'est trop ouf. Mais qu'est-ce que je m'emmerdais? Mais qu'est-ce que ma vie était nulle avant? Heureusement qu'on a un truc à s'occuper. Hein. C'était soit ça, soit... Hein, une bataille de pouces, heureusement... On a une station spatiale à construire, et ça, c'est chambé. Alors là, hein, est-ce qu'on va lever le niveau? What are your thoughts on the Ark project? The idea is just incredible, by every definition. It really makes you think about what it means to be human. What makes you say that? Beyond the basics, beyond the superficial, I'm convinced there's something with even greater value. You have provided a platform, which is not necessarily restricted to our digital progeny, but a means of actual survival. It's my sincerest belief pendant that we can go on savoir que pendant le tournage, through the reality of continuity. On a lancé, bien sûr, un stropole pour savoir à quel niveau de pourcentage vous sentiez dans l'aquadaube. Nous sommes à... 71% d'environ 29% d'optimisme sur la chaîne. C'est 28% de plus que moi au quotidien. Bravo, GG. Après l'intervention de Marc Sarang, qui a des lunettes et donc est un geek, et donc forcément a un avis éclairé. Évidemment. Is this from inside the Ark? Yes. That's some early renders of the world inside. Looks a whole lot comfier than this place. Okay. Ah, c'est beaucoup mieux que des bonhommes bâtons. On dirait les schémas pour vous vendre des bâtiments, des logements, quoi. Schéma de l'Ark. Très utopique. Très très bien. Rapport d'étalonnage. Si vous lisez ceci, c'est que vous avez réussi à accéder à l'Ark.
Cette enquête a pour but de permettre aux développeurs de mieux comprendre votre expérience subjective afin d'améliorer votre bien-être. Merci de poursuivre cette enquête. Comment de... Ah, c'est à mon tour! Larsan! Comment décrivez-vous votre condition physique? Je me sens normal, je me sens revigoré, une version améliorée de moi-même, je me sens bizarre. Dans le corps... Non. Alors, non. 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 Je me sens pas moi-même. Je ne suis plus une vraie personne. Ah, moi je dirais que... je me sens un mercredi soir. Comment décrivez-vous votre état mental? Pendant live, vous voulez dire? Quand on tourne tout ceci? De l'importance de la virgule, hein? Sans déconnecter, mon esprit n'est plus relié à mon corps. Je me sens différent, comme si j'avais changé de personnalité. Je me sens perdu, je n'existe plus. Mon état mental, bah, je dirais toujours le mercredi. Hop. Je me sens. Attends, s'il te plaît. On est en 2100, s'il n'y a pas d'écriture inclusive, moi je rage quitte. Hein. Je me sens milieu de semaine. Comment décrivez-vous vos sens? Alors, il y a celui qui me permet de déchaîner. Le zéro absolu, quand j'enfile mon armure... Attends, on parle de quoi exactement? Je suis sensible à ce qui m'entoure. Je me sens coincé, comme si mes sens étaient engourdis. Non, je me sens sensible à ce qui me... Oui, ben, vu que je suis à quatre pattes tout le reste du... Comment décrivez-vous ce que ressentez dans votre nouvel état? Comment décrivez-vous ce que vous ressentez dans votre nouvel état? Quel rapport avec la réponse à la question précédente? Ça ne me déplaît pas. Il y a quelque chose à... Ça ne me déplaît pas, il y a quelque chose d'anormal. Armageddon! Ouais, c'est déconcertant, tout me semble artificiel. C'est déprimant, tout est faux. Ah, disons que dans le nouvel état, ouais, c'est... Je sais pas. C'est pas agréable, mais oui, je dirais Armageddon, bien sûr. C'est sûr. Le fait de ne plus être complètement humain ne vous perturbe pas. Ça va. Moi, je dirais que c'est roquet. Comment avec Atoche? Ça continue de suinter sur le sol? Comment ça se passe? Alors, faites-vous être comme ça, hein. Vous perturbe-t-il? J'ai l'impression d'avoir perdu une partie de moi-même. Si, je regrette mon ancienne existence. Bon. Ma forme importe peu, ce qui compte, c'est que je sois toujours là. C'est pas mal, ça, hein? L'impression d'avoir perdu une partie de moi-même. Non, pas spécialement. J'irais le 4, en fait. Parce qu'il y a une forme de notion d'immortalité, une forme de mercredi perpétuel. On était bien à l'appart, mais t'as vu comment c'était le bordel à l'appart. Attends, personne qui était passé juste avant, ça tout dérangé quoi. Comment percevez-vous votre nouvelle existence? Comme le prolongement direct de mon ancien moi, Jason. Comme un nouveau chapitre de ma vie. C'est l'histoire de la vie, un cycle éternel. Ah, on est en live, c'est ça? Comme une nouvelle naissance, une deuxième chance. Bah non, parce que j'ai pas eu le choix, donc c'est pas une chance. Parce que nouvelle naissance de Chihuahua, tu vois. La fameuse chance de Chihuahua. Très connue. C'est très différent, ça n'a rien à voir avec mon ancien moi. Ah, comme un nouveau chapitre de ma vie, c'est... Ah, plutôt non, plutôt mardi. Un mélange entre mardi et mercredi. Non, dimanche, lundi. Je recompte. C'est très différent. Ça n'a rien à voir avec mon ancien moi. Bah oui. Bien sûr. Mercredi, c'est sûr.
D'après vous, cette nouvelle vie vaut-elle la peine d'être vécue? Bah ouais, parce qu'on a envie, du coup. Parce que c'est... Parce que si t'es mort, la mort ne vaut pas la peine d'être vécue. Réfléchis! Incroyable, ça! C'est quoi cette question débile? Oh là là! Oui? Autant que... Non? Elle a moins de valeur, non? Non, la vie a de la valeur. Nous trouverons peut-être un nouveau sens à ce monde. Alors, évitons la droite. Non, elle est trop éloignée de la réalité. Bah non, parce que tu sais pas si c'est la réalité ce qui est réel. Non, elle a pas moins de valeur. Moi, j'irais... ok, dimanche. Je voterai dimanche. Soit elle a autant de valeur que la vie précédente. Ça, c'est une forme de pessimisme. Nous trouverons peut-être un nouveau sens à ce monde. Alors que là, t'es dans la perspective de tu vois, t'es... Stallone, il pose les gants, mais il les donne à quelqu'un d'autre, tu vois. C'est... Très bien. Préférez-vous retirer du projet et accepter la... Voyez-vous cette peau de banane? Souhaitez-vous glisser dessus? Oh oui, j'adorerais. Oh, j'ai tellement rêvé de glisser sur une peau de banane en haut des escaliers. Oh, j'ai tellement pensé quand j'étais petit. Maintenant que je suis majeur, j'ai très envie de glisser sur une peau de banane, car c'est mon droit le plus strict. Ah, ou alors c'est un témoin de Jéhovah qui me pose la question. Avec une brochure. De plein de gens. Un dessin avec un soleil en fond en disant comment imaginez-vous la fin du monde. Et moi qui réponds, mais attends, il n'y a aucun black dessus. Inspiré de faits réels. Hein. Préférez-vous vous retirer du projet? Bah non. Excuse-moi. Non, alors j'accepte pas la mort. Déjà, j'accepte pas le sommeil. Alors la mort, mon gars. Attends, pardon. Tu sais à qui tu parles? Je suis pas... Je suis peut-être iranien, mais viking à 5%, tu sais quoi? Merci d'avoir participé à cette enquête. T'es rien? Est-ce que j'ai gagné un panier de fruits? Dispositif de poursuite RK. Rapport des talonnages, ok. Ok. I found a tracker homed in on the Ark. Oh, that's clever. Oh, c'est intelligent, je m'attendais pas à ça de votre part. Does it still work? I really need to know what happened to it. I think so. It's doing something at least. Where is it? Hold on. I'm trying to find it. Please let it be safe. L'espace. Les petites bouboules. Ah. On se rapproche, hein. Non, c'est trop éloigné. Ok. J'ai l'impression que on se rapproche quand la jauge augmente full. Bah, ça va finir par... Non, on est à l'opposé dans ce coin-là. Bah, proche de la Terre, Sandek. C'est le dernier endroit auquel je m'attendais. France, Rhône-Alpes, Lyon. Oh. C'est très intelligent comme manière. C'est pas la Terre. New York, New York n'est pas au centre du monde. Quoi? Mais genre... Bah ça peut être que là. Voilà. Très bien. Ah, c'est là. Très bien. I found it. It's at a site named Tau. Pour le bien suprême. It's so close to fire, they almost made it.
Damn it, it won't make it for long in that state. A couple of decades at most. Ouais, j'aime bien le gameplay là. Je trouve que c'est malin comme manière de chercher. Je trouve ça. Je trouve que c'est une forme de puzzle game qui est pas bête. On reste. Alors, faut pas oublier que c'est une forme de FPS au départ. Mais c'est une forme de mini-jeu de réflexion qui est pas trop gorgée de difficultés, mais en même temps qui amène une part de ludique. Donc, moi, je n'ai pas de problème là-dessus. I'll take us there. I can move, jump, swim, sort of. You're stuck in the door opener, the Omni tool. I'll just carry you there and you'll show me what to do. That sounds really risky. Besides, risky? I don't like the idea of you carrying me around. Come on, Catherine, this is what you wanted to do. Your final mission. Let's launch the Ark. We would need to find a way to get into the Abyss. Can't take the climber without a power suit. We probably have to go to Theta and pray that Dunbat's still working. Okay. So we go to Theta. Here we go. Yeah, it's pretty far. Catherine, look around. Katasha. What else is there to do? Eh ben rien. Il y a rien à faire d'autre. I doubt it. Just have a look around. Push comes to shove, I'll walk there. Okay then, I'll just eject from this thing. Don't forget to take me with you. I won't forget. Can I pull the Omni tool out? Wait. Okay, just be sure to plug me in again at some point. You got it. Good luck, Simon. Hey, good luck, Simon. Oh là là. Ok. Merci, Katoche. Le seul libre arbitre que j'ai dans le jeu. Le seul. J'en profite. Oui, on ne m'aura pas. Hein, sur l'allumage de lumière, tout le reste, ok, on aura ma vie, on aura mon âme, on aura le reste aussi, mais j'aurai ce libre arbitre. J'ai répondu dans le questionnaire tout allait bien, c'est ça? Évidemment, on a tous menti. Ouais, un truc. Qui respire fort, hein? Non! Ok. Putain, on a des bruits chelous, quoi. Okay. Tout est ok. Je comprends, à ta place. Hein. Ça grince. And you're watching, you smell. Au secours! You're like the flower! C'est rouge. Rouge, c'est... Vous répétez après moi. Les poissons sont nos amis. Il ne faut pas les manger. C'est rouge. Faut pas que j'y aille. Ah mais c'est le petit robot relou là. Ok, c'est lui qui nous suit en commentant absolument tout. Quoi cette... Ok, cette enclave. Vous voyez ce que je vois, évidemment. Voilà, très... Allez! C'est parti, mon kiki. Mayaru-san! Blub 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 blub.
What is this? Curie Emergency Vessel 4. Hey, Simon, can you hear me? I hear you. Can you get this thing running? Hang on, I'll give it a try. Et stylé. Je vais partir avec Pluto. Sorry, it's dead. With a shot. The CV came from Curie. La plupart des projets en édition commencent comme ça. Between Lambda and Lisbon. Looks like their wreck is close. Maybe you can find a vessel like this one inside. Sounds like a plan. I'll just save the security information and update the Omnitool. There. Should help you get around. Great. Grete. Eh ben merci pour ton aide, Katoche, hein. Franchement, génial, hein. Génial. Merci, Katoche. Ça valait le coup, hein. Alors, encore me taper le robot relou, tu sais quoi. Bonjour, nanana, nanana, nanana. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais non, non, je suis pas concentré, non. Il y a des trucs chelous, hein. Genre... Qu'est-ce que c'est que cette piste? Bon, je peux pas aller là, il faut que je suive là, j'ai l'impression. Qu'est-ce que c'est que ça? Attention, attention, attention. Hop là! Ok. Hop! Non merci, 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 non merci. Je suis caché, hein. Impossible qu'il me voie. J'ai pas eu peur. Bon, ça reflète pas vraiment la réalité, hein, vu l'état de propreté du fond des océans. Rouge, méchant. Omni, tout le moi si tu peux. Un film de Mike. Ok. Bon, dis donc. Oui. Yatsey. Ah, je trouve ça super stylé, hein, perso. Je trouve ça hyper stylé. Je suis très fan des fonds des profondeurs. Vraiment, je suis très, très... J'aime beaucoup les fonds aquatiques. J'ai... même enfant, fait beaucoup de rêves. Même adulte. De fonds aquatiques. J'ai toujours adoré ça. J'ai toujours été... le gamin qui aimait s'immerger au fond de l'eau et voir la surface depuis les profondeurs. Et je trouve ça fascinant, je trouve ça incroyable. Et j'ai une pote qui me disait que... qui est phobique des profondeurs, qui ne peut même pas jouer ou voir un jeu des profondeurs. Non, j'ai pas joué à Subnautica, mais je fais partie des jeux qui me font envie. Allez, là, regardez, c'est, moi, juste ça, je... Je suis immergé dans tous les sens du terme. Je trouve ça juste incroyable, sauf maintenant, là je trouve ça un peu moins incroyable. Voire nul. C'est vraiment nul. T'es parti le croc monsieur? Davis, je dis n'importe quoi. Hoppa ! Dans sa voiture jaune et rouge. Je peux pas retourner dans l'interstice. Ah si. Ah, je vous propose d'étaler une nappe ici avec
petite assiette de fromage, mais aussi de l'eau gazeuse, de préférence du Perrier citron, et qu'on n'y aille pas. Oh, je trouve c'est très négatif de croire que le pain risque de prendre la flotte. Et puis d'abord, j'ai pas dit du pain, j'ai dit une assiette de fromage. Du chaussée aux moines à 300 mètres de profondeur. Mais du coup, ceux qui n'aiment pas le fromage bleu, s'ils le prennent à 300 mètres de profondeur, ça annule l'odeur, du coup ça annule un peu le goût. Du coup, ça le rend délicieux. Une petite astuce, bien sûr. Pour celles et ceux qui ont envie de manger du fromage bleu. Ou du maroilles. Astuce assez facile. Y'a quelqu'un ? Tu es un méchant qui tue ! Tire deux lasers si c'est oui. Mais méchant. Non, parce que sinon j'aurais fait brrrr. Give us a sign! Coincé par les algues, on a été algued. Très bien. Algued aussi ou pas? Oh! J'ai envie de prendre un lion et de le porter à bout de bras, ici, en hauteur. Et il va mourir noyé. Du coup, je le ferai pas. Michel! Oui, non, mais je pensais exactement du lion, la barre de céréales. Non, mais totalement, moi je pensais à ça. Tu pensais à. Enfin, c'est que je parlais de quelque chose d'autre. Hein. Je passe même sous l'eau, même à 300 mètres de profondeur. Je passe mon temps à quatre pattes. Et imaginez le swag que je dois avoir en combinaison de plongée, tu vois. En plus, je dis même pas Michel, je fais. Hein? Oh, c'est tellement stylé. Quoi? Ah, ça va. All right, we're in. Let's find a working escape, that's all. Ok. C'est tellement stylé. Mais il va se passer un truc, on sait. Là c'est la calmie, Là, on est en mode, il se passe rien, tout ça. Puis d'un seul coup, boum, badaboum, comme dirait Cobra. Quelle est cette monstruosité? C'est mon fils, Gimli. Ah, ok. Vous? Bling, bling, bling. C'est Morgane. Un jour. Il va se passer un truc genre chafouinage. La musique te dit que tu vas être chafouiné. Tout te dit que tu... La lumière te dit ça. Et il est pas fake. C'est long. Attaque de bidon. Je peux pas boire mon café, hé! Non. Ok.
ça veut dire non, hein. On est qu'à partir du principe que c'est... Que c'est un non négatif. Ok. Je voulais... Ouvre-toi, Schnell. Et parlez moins fort dans le chat. On va arriver au bout de la piste, qui fait peur. Hein? C'était la 8ème piste du CD. Du coup... Ouais, le compositeur oublie de mettre Repeat One. Heureusement, bien sûr. Ok. Bonjour, c'est ici un exécuteur. Ah, mais là, ça a beaucoup fouillé hein, pour être autant immergé. Ok. Ok, c'est pas de la frime alors. À droite, c'est un nom négatif donc. Reculez! J'ai une chaise! Je saurais m'en servir! Allez là, je suis en train de faire. Je peux m'asseoir à tout moment! Oh non! T'es bloqué par la chaise normalement. Non, il est pas bloqué par la chaise! Je confirme. Ok. Voilà. Le ciel est noir. Ok. On est vraiment en train de faire du... un autre soleil, là? Okay. Ah, c'est pourtant pareil. Ça marche, 1, 2, 3, soleil. Méga rassurant. Rassurant de ouf. Je suis pas un visiteur, je suis là pour la télé. Je suis là pour Cyril Hanouna. Ne me tuez pas. Ah non, mauvais argument. Oh pas la 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 la. Attendez, j'ai une super idée. Elle est pas chambée cette idée. Franchement.
Opa! Ouais, j'ai des 5% viking, mais 35 marsupilami. Ah, je peux pas relever ça? Non, je veux pas ce bidon, je veux... Il ne me voit pas. Je ne le vois pas. Oh, c'est terrible ma chance. Attends, on doit aller là-bas, hein. On doit aller à droite, là. Hoppa! Je peux pas casser ça. Meurs! Vitre! On aille à droite. Mais c'est pas vrai là, ouais, chaud. Sans deck. Okay. Wink, wink, wink. Est-ce qu'il y avait la lumière dans laquelle mettre un doigt ou pas? On va partir du principe que non. Normalement, tu peux pas monter l'échelle là! Nul! Une paire 16. Je saurais m'en servir. C'est faux. Oh. Je suis un homme après tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que j'ai pas un BFG dessus? Je peux pas avoir un petit BFG. Ça m'aiderait. Me dis pas qu'il a pris un raccourci en mode script, hein. Oh non, mais non, mais si, en fait. Meurs avec ce pantalon sale. Quoi, c'est une broche? Ah, non, pas exactement. Mais on peut l'utiliser aussi comme broche. Bof. Non. C'est ton ombre qui est dégueulasse comme ça!
très bien. Ok. Hop là. Oh, de la lumière, un doigt. Ah, carrément. Un doigt suffisait, hein, mais... Ça, c'est... Ok alors. Non, je suis bloqué par la barrière. Non, non, c'est pas la meilleure idée du siècle. Ok, très bien. Ok, qu'est-ce que nous avons là? Il va pas être là en mode. Ouais, c'est ça. Hop! D'accord. Je fais le mur. C'est immense. Vous louez tout ça? Je pense qu'on peut sortir par là. Hein. Ok, c'est joli. Hein. Très bien. J'ai l'impression qu'on peut monter là. Hein. Et qu'il va faire squeaky squeaker. Bon, lumière. Très bien. Ok. En fait, j'ai vu Atomium jouer à Soul River, ça m'a rappelé tellement de trop bons souvenirs. Il y a l'un des jeux, des univers qui m'a vraiment influencé. En termes de mécanique, en termes de... Rosiel. En termes de... Oh là! Oh non, on va débrancher encore des trucs et qui vont faire... Ah, qui vont zoomer sur eux avec un plan à contre-plongée. Et qui va dire pourquoi tu me... Ah, c'est trop méchant. Oh non. C'est là où ça va pas être bien. Un, deux, ok. On sait pas du tout ce qu'il faut faire là. Hein. Ok. Pas content, pas content. Warning. Reactor collapse imminent. Proceed to the emergency buzzers. Ok. Le réacteur. Monsieur qui me prend dans un coin là, aïe 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 aïe. Oh, comment je t'ai fait un dodge mon gars. Aïe. Je peux grimper par là, je peux grimper par là, je peux grimper par là. Je peux grimper par là. Je suis retourné au départ. Non non non. Non plus. Super, excellent. Gauche. Bon, pam. C'est pas très légal, tu sais quoi? Wouah. Ok, ok.
Katoche, go! What the hell happened here? What are all these emergency... What did you do? I messed up, okay? Can you get us out? J'ai rien fait, moi! I just need to pump the water out and get a trajectory in place. Hurry up! Just a second. All right, taking off. Hold on to something. Go, go, Katoche, go! Est-ce que tu peux voir par le hublot? Can you steer this thing? Starboard rudder is choking, but I can compensate. How do you even know what direction we're going in? Don't worry, I'm hooked up to the navigator. We're heading to Theta, should be a matter of minutes. Ne vous inquiétez pas. Back there. Seems like the WOW is keeping the Curie from going into a catastrophic failure. Le WOW? Le truc s'appelle le WOW. How did it get on the ship? Are you talking about the black tentacles in the engine room? I've seen them before at Upsilon, what are they? They're a manifestation of a malfunctioning station-wide artificial intelligence called the WOW. Station-wide? So we just made a powerful enemy. No, no, it's not like that. The AI isn't a persona. It doesn't feel or think like we do. It's more like... Wow. It's more like a cancer. Was that the ship? Looks like your sabotage worked better than expected. Brace for impact! Aïe! Je m'ai tombé... Hold on! The blast just pushed us off the plateau! What does that mean? If I don't hit Delta, we're dead. Golgo Katoche, wow! Pa 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 da da pa da pa da pa da du du. Katoche? Katoche? Katoche! Alors, moi, dans Alien vs Predator, j'adorais jouer l'alien. Souvent, mes potes disaient, mais attends, ça donne pas le tournis, ça donne pas... Au secours! Katoche! Non, c'est le robot relou! C'est le robot relou, je le sais, je le reconnais! À son petit laser jaune dégueulasse! Katoche, c'est une forme d'intelligence artificielle qui est un peu moins waouh que le waouh. Est-ce que c'est clair? Didn't expect to see you again. Succès déverrouillé, bloqué. Bloqué! Don't worry, Kat. I'll find a way to Thea. Mon seul ami. Enfin, ami. Collègue. Je l'ai attrapé comme un papillon, mec. Bon. T'as les bruits de faim. Regardez la série bloquée. Incroyable avec... Bon, Alsan et Gringe. Parce qu'il est bouché aussi sur Serge Le Piton. Ok. Oh, oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais c'est toujours aussi compliqué de monter la marche. Hein. C'est... Arrête! Ah, des escaliers, c'est mieux. Qu'est-ce que c'est que son deck? Katoche! Je sais pas si c'est un site de surface. Mais auquel cas, c'est peut-être. Si c'est le cas, ça voudrait dire que c'est totalement immergé, que les eaux se sont élevées. André!
Ultra, ça c'est la version luxe, vous savez, des histoires d'horreur qu'on raconte en prenant une lampe torche, on s'allume sous le menton. C'est la version luxe, ça. Ok. Ah. Here's Johnny. C'est la version de luxe. Ah. Bonne nouvelle. C'est frais. Mauvaise nouvelle. C'est en plusieurs morceaux. Eh hey, mais... Il y a plein de petits verres qui font du bobsleigh. Oh. La lumière me fait mal aux yeux. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Il me dit que je n'ai pas besoin de cette chair vitreuse à l'intérieur de mon crâne pour voir le salut. Je m'en débarrasserai volontiers pour les empêcher de faire échouer cette mission divine. Ah. C'est marrant de voir le wow essayer de prendre le contrôle du Delta. Il y a 6 mois, ça m'aurait inquiété. J'aurais demandé à Koya et Wan de nettoyer le sang noir sur la... Ah, mais maintenant, ces surfaces sales semblent compléter et même éclipser ce delta. Ok. Trop rebelle. On peut faire. Adversaire corrompu. La droite encore est au pouvoir en 2108. Ok, qu'est-ce que c'est? Mon reflet dans le sang noir de notre gardien, mais... Ouais, les gens sont... Un peu. Ok. Je dois les sauver de cet enfer, les endormir, les enfermer dans les rêves lucides que j'ai vus. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un complètement barré. Je vais faire un peu de ménage. Ah, c'est pratique pour les mâles de crâne. Regardez. Ça, c'est quand t'as 13 ans que tu ranges ta chambre. Dis donc, Kevin, quel est ce sang tout par terre? Kevin? Qu'est-ce que tu as encore fait? T'inquiète, maman, je vais ranger. Ok. Non, y a rien à faire ici. Y a encore des éléments organiques, hein. Non, c'est juste méga... C'est juste méga chelou. En plus, le gars, pouvait être juste venir ici, peut-être même habiter là, mais bon, sortir. Bon alors, on a enquêté, on a trouvé des yeux, parfait. Oh. Salut Nono. Quelle journée! Ah oui, moi je suis plutôt dans l'inclusif, attends. Hey, could you maybe help? I need to get the data. Make yourself useful. Hey, can you hear me? Don't worry about it. I got this. Listen. Help me out here, will you? Hey, can you hear me? Don't worry about it. I got this. C'est tout? Hey, you. Help me out here, will you? Oui. Ok. Man, you can really tell when Alfred is off platform. This place turns into such a locker room. Not in a good way either. Ah si, ils ont établi 400. I don't know, man.
Ah, si, complètement. La fende, là. Ouais, et du coup, on a établi. Et maintenant. On peut aller par là-bas. Et pousse-toi, qu'on devine. Ok. Et pousse. Oh, ok. Oh, il m'a fait peur, mon gars! Ok. Good robot. Il y a tiens. Ça, gentil, gentil. Ok. Comprends le risque. Terme micro. Phi. Tau. Omega. Delta. Ok. Lambda. Delta. Faut qu'on aille. Delta. 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 Bon, on va mettre le point. Hein. Oh. Bah non. J'étais à deux doigts de t'y mettre la main, mais. Ah, c'est le cyberbibo. Katoche, t'es avec nous. On l'a, mais littéralement sur le dos. Intelligence. Je vais jusque là. Message. Terry, votre équipage et vous serez évacués vers Theta le 14. Tout sera pris en charge. Dès votre arrivée, vous serez affecté à de nouveaux postes. Ne faites pas de vagues. C'est l'or. Nous avons assez de fortes têtes comme cela. Allez vous faire moudre, Konsterb. Je ne partirai point. Vous n'avez pas le droit de m'y obliger. César ne vient pas de moi, imbécile. Hein. Je ne fais que vous les transmettre. Vous voulez vraiment rester? Très bien. Accrochez-vous à votre dépotoir. Mais votre équipage part demain. Mr. Hackers, j'ai le plaisir de vous informer que votre équipage est bien arrivé à Theta. Prévenez-moi quand vous serez prêt à partir et je vous enverrai un moyen de transport. Joyeux, joyeux Noël. N'hésitez pas à nous prévenir si vous voulez être réaffecté à Theta. Ok. Journal des accès, ok. Échec. Adversaire corrompu. Eh bien, très bien. Eh bien, je vais devoir y mettre la main. Ben, c'était pas si désagréable que ça. Alors. Hein, peut-être que. Parfait ça. Mec, je vais te greffer sur mon bras là. C'est pas l'ouvre-boîte la plus. Monsieur ! Michel ! C'est pas pratique. Fuck. He got on a zeppelin. He's going back to Theta. We have to warn them. Good luck with that. The platform radio is dead. Remember? The Lumar Annex should work. It has to. Yeah. You go. I'm not gonna make it. I'm just not. Come on, Evans. We have to warn them. Come on. Bye, with Chris Evans. Le bouche à bouche c'est mort hein. Du coup. Dommage hein.
je suis pas contre. Même si bon, c'est déconseillé avec les cadavres. Enfin, déconseillé. C'est plus illégal que déconseillé d'ailleurs. Et, ok. Hop là. Il est pas mort. Ok. Hacker se comporte bizarrement. Sécurité. Il a ramené le zeppelin à Theta, ne laissez pas s'arrimer. Voilà, ça arrive. Bye. Dommage. Carte de la zone. Zoom avant. Ok. Salut Cyberbibo. Alors, ça brasse. Paix à son âme. Et on peut monter la plateforme, là ? Ah, attends. Là, on peut activer un truc. Mais si, mais oui. Ok. J'ai l'impression qu'il y a un truc activé en haut. Ok. Très bien. Il n'y a pas de câble ici. Eh oui, mais du coup. Super! Génial! Ouais. Oh! Dis donc! Incroyable! Dis donc, ces vacances, ça avait pas l'air si fifou que ça, hein! Come in, Strasky. Can you hear me? Theta, listen. Acres is headed for Theta. No building more annex. Getting a signal, but no audio. Strasky. Ah, si, j'ai l'audio, hein. It's Como Raby. Acres has gone mad. He's dangerous. Strasky! Sorry, Delta. Still no audio. Try calling from another access point. Strasky? I can try sitting. J'ai des images. Ah. Du coup, là... Ok. Allez. Et de plus en plus... tu foutu, hein. Je le fais pas que pour le plaisir, hein. C'est vraiment juste pour le travail, hein, mais... Cyberbibou! Aide-moi! Ok. La musique est redevenue inquiétante. Attends, c'est pas ton cousin? Cyberbiba? C'est pas moi, hein? Cette fois-ci, c'est pas moi, hein? Non mais le seul truc que je vois depuis tout à l'heure, c'est parce qu'on fait tout le tour, le seul truc que je vois, c'est l'autre canal de ses mains. Qu'est-ce que c'est? Une vieille dame a laissé tomber son bonnet de bain au fond de la mer. Forget it, Acres. I'm not playing with you anymore. Ok. As if chess wasn't boring enough. You just have to go and win in four moves or whatever. Franche.
Les liaisons établies 049. Did you move the outer shields? No, the thin one, the yielder. Yeah, I know it's not technically a shield. But never mind, I found it. T'es où? Ok, il est où? Il est où l'autre? Il est parti. Parce qu'il parlait de bouclier extérieur. Très bien. Ok. Transport maritime. Zeppelin. Ok. Attends. Écho, écho. Transport active. Unspecified cargo. Active, très bien. L'OLC s'est enfui. Bah du coup c'est là. Il y a qu'une seule. Zeppelin's on its way. Better get ready. C'est là où il s'est échappé, hein. Absolument. 840 et 49, deux liaisons. En fait, c'est très ouvert, hein, très ouvert. Bonjour, vous êtes un zeppelin ? Existence like that. Where are we now? Delta. At least that's what you said before the crash. Oh, right. Of course. Is this a Zeppelin? Appropriately named. You think it can get us to Theta? It's a cargo transport. They use them for moving materials between the sites, anything that's too big for the shuttles. I'm sure it can carry us. Ah, why won't it work? Come on. Oh, the tool chip is bust. La puce au tir. Ça serait bien d'aller en enfer. We need to get a new tool chip and switch it. Care to point me in the direction of the closest tool chip storage? I think it would be easier to just take one from a robot. What? Just knock a robot over the head and steal their chips? The toolbox over there says it has a stun baton. You could use that. Come on. I don't want to hurt anyone. Isn't this a bit much? It's just a robot, Simon. We're just robots. Sort of. I'll get us a chip. Oh non. Quoi? C'est maintenant ça... qu'on décide de me donner Guess I have no choice. Ooh yeah. Et là je me revois, moi, en train de kiffer la scène du film Doom. Où Dwayne Johnson arrive dans la pièce secrète et tombe sur le BFG et il fait ouf, le big fucking gun. Et là je suis là en mode je trop faim, quand je serai grand je serai Dwayne Johnson. Du coup, bonjour, croyez-vous en notre seigneur et maître Jésus-Christ? Reviens, c'est pour le travail! Michel! C'est horrible. C'est horrible. Katoche me fait faire devenir un monstre. Michel! Aïe, aïe, aïe. C'est horrible, je suis un monstre. Je me sens pas bien dans ça. Hein. Mais garde-le! Mais garde. Est-ce qu'on pourrait, s'il te plaît, récupérer cette... cette puce, il est mort comme un caca contre ce pilier. Katoche ! Ah là, là, ici. Katoche !
On a tué un innocent. Rescuyat it pache. Très bien. Na 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 na. Oh. Ah, ah, c'est pas bon ça, c'est pas bon ça. C'est ok? Katoche, c'est bon, on a tué un innocent. Le travail est ok. Don't be mad, ok? Bah sûr we que really non. Needed that chip. Bah oui. We'd be stuck here. Could you do it? Kill a robot like that? I get attached to them too. I'm not a monster. But in this case, it had to be done. Je suis pas un monstre. Je suis juste talking. Dieu. I mean, he was delusional, but he seemed sincere. Present. Yeah, well, I'm sure it's fine. Was he really that different from us? It's just beginning to sink in. I mean, really sink in. I'm a robot. Didn't we cover this already? I guess I've known ever since I woke up at Upsilon. I just keep suppressing it. Like my brain doesn't want me to think about it. It's really getting hard not to think about it. Yeah. Could you maybe hit that switch over there so we could get moving? Oh, yeah, sure. Bien sûr. Commutateur, ok, Katoche. De rien. Ça fait plaisir de faire plaisir. Na, na, na. Ok. America! Fuck yeah! Je peux aller au bord. Juste pour voir. Est-ce que je peux me pencher beaucoup, beaucoup? Quoi? Quoi? You're really good back there, Simon. We got a slight delta detour, but we're back on track. Yeah. We should touch down on a cargo platform just outside Theta. Then we just head inside, grab the Dunback, and head down the abyss. 4,000 meters. That's a long way. We don't have to worry though, because with the Dunback, the Ark could have been in the Mariana Trench. It'll hold for anything. That's great. And then we can start listening to other people when they talk, because that's how conversations work. What? Oh, sorry. I just can't stop thinking about what we've become. It's clear that we're no longer human. But then how can I feel like Simon? How can I feel like anything at all? I mean, technically, I don't have any ears. No mouth. Je reste devant la télé comme un naze, mais en fait, la discussion elle est là. Moi je suis dos comme ça, avec Katoche en train de voir l'horizon. Mais oui, Katoche. Mais tu as raison, Katoche. Je suis en train de voir à l'opposé. Elle me parle depuis tout à l'heure. Hey, tu sais, quand j'étais petite, en fait, humaine, en fait, j'avais des vrais problèmes avec ma mère. Oui, Katoche. Katoche. So my mind is covering it up, pretending nothing's different. Regarde, il y a une pub, Katoche. Capable of interacting with the world at all. And the stress would either kill you or make you go insane. So I've found a good balance between awareness and ignorance. Et c'est moi, je think about this stuff, or are my thoughts actually making me cope? Could I tip the balance by suddenly gaining some insight and go insane? I wouldn't worry about it. I mean, we have real things to deal with. Saving mankind, remember? Sauver l'humanité, mais sérieux, il y a vraiment des gens qui pensent qu'on peut sauver encore l'humanité? Qu'est-ce qu'il y a encore à penser? Ah, si je sauve l'humanité, c'est uniquement pour avoir des fruits au marché. The artificial intelligence you mentioned in the escape vessel? Yeah, the warden unit, the WoW. Is it the WoW's fault that we're like this? La faute du WoW! It seems like something an unreliable AI would do. I suppose it set the ball in motion, but it's not directed with purpose. It's really complicated to explain how machines think, Simon. Concentrate on getting inside Theta, okay? See you soon. Ah, tout va bien. Merci, Katoche.
Tu es GG, Katoche. Hop là, non, c'est vraiment trop pour moi, c'est un peu compliqué. Ah mais non. Yes, merci Katoche. Pas la même ambiance là. Hein. Oh yeah. Ok. Strasky, wake up Dr. Masters, we're bringing in anchors. What's wrong? C'est là où il vient, où il est totalement... Is that a rough day? He's all butchered by structure shrapnel. Wow! Well, sure did a number on him. Brandon, flip the panic switch on the suit. I don't want to burn through the oxygen. You're kidding, right? He's fucking hanging on by a thread. We need to move him. Strasky, get the infirmary ready. We need to move fast. Wait, where are Kumarabi and the others? This is all we got. I guess it's still at Delta. Yeah, I can't do this on my own. Grab the other side. Strask, ready or not, we're coming in. All right. See you soon. See you soon. Okay. Bon, je suppose qu'on va avoir d'autres visions là encore. This thing on? Can everyone hear me? Go ahead, Strom. Listen up, all members of staff. The Art Project has caused a lot of arguments the last few months. I'm not going to pretend I understand what the hell Sarang talked about and how his continuity suddenly made sense to kill yourself. Sarang, c'est celui qui a des lunettes hein, dans les trois entretiens qu'on avait eu. You think is important, don't kill yourself. This place is miserable enough. Don't force your friends to clean up your blood. Rest in peace. Quality. Good? Beautiful, sir. All right, everyone. Show's over. Get back to work. Ok. Il y a un truc totalement malsain hein, qui s'opère ici dans le coin. Non, qu'est-ce qu'il y a encore? Vous savez ce qui va se passer, hein? Hello? Who is that? Mark? No, we haven't met before. Is this Mark? I think we're safe. Oh, I was so worried something had gone wrong. What's your name? Robin Bass. Theta Field Service Technician. Nice to meet you, Robin. How ça did you get here? Passer. I got scanned, like the others. Wally! And then I killed myself. At least I think so. I can't remember that part. How does that work? Did dying get you into the Ark? Wow, you're definitely not from Theta. Let me guess, Omicron? Wasn't sure Catherine would be able to scan you guys. You're lucky. There was a lot of talk about this at Theta. The idea is, when you're activated in the Ark, there's basically two of you, right? One human, one living scan in the Ark. You don't want your copy to survive you. You yourself want to survive on the Ark. If the human you dies before the scan is initiated, or closely after, you yourself would live on in the Ark. Amazing, deux right? Fois. Did Catherine put you up to this? Killing yourself? Catherine Chun? No. C'est Katoche? I don't think you understand. Bah non! She just did scans and put them into the Ark. C'est ce qu'elle a dit. I hope I get to meet her soon so I can apologize. She always got into trouble with Strawmire when someone killed themselves. I think she's okay with it. Where is everyone? I thought there would be like 40 or 50 people here. I don't know. I'll let you know if I see anyone. C'est ça, ils peuvent se dupliquer. Robin, I'm not sure how to say this. What? This is... On l'a croisé mort, hein? Pretty amazing, right? I mean the Ark. Yeah, it's great. Son double... Je ne sais plus si c'est calme. Il semble qu'on ait vu un corps ensanglanté. Tu te sens plutôt bien?
I don't understand. Ben oui, mais c'est... Is this what it's supposed to look like? J'ai le choix de pas retirer ça. Le truc, c'est que, est-ce que en retirant ça, ça va activer ce qui va permettre de progresser? Je m'attendais à quelque chose de différent. Bah... Je m'attendais à rien, moi, hein? Non, je vais pas le faire. Si j'ai le choix, je vais pas le faire. Le nouveau projet de la Wii U présente... La manivelle. On a ouvert le truc. Moi, quand je vais me servir un café, généralement, c'est exactement le genre de... Hein, le genre d'ouverture que j'ai pour... ce qui rend les... assez pénibles. Quelle ambiance de malade, franchement, quelle ambiance de malade. Vraiment une pure ambiance. Là, je vais la laisser comme ça, je vais pas la tuer. J'ai le choix. Mais certaines fois, j'avais pas le choix. C'est une Jarvis. Ça va très très bien. Ok. Super, toi aussi. Sacrée ambiance. Pourtant, c'est un jeu un peu passé, hein, mais... Sacrée ambiance. J'ai l'impression qu'on commence à peine à effleurer réellement le concept. Hello? Hello? Anyone there? Pathos 2. Well, Catherine, we found Theta. Katoche? Vous sentez le gars qui se méfie peut-être un peu. Y'a quelqu'un ? Évidemment, c'est pas Doom, hein. On peut pas se débarrasser de la barricade. Est-ce qu'on peut péter la vitre là ? Ah ! Vandale, vaurien, ok. J'aurais pu aussi ouvrir la porte, peut-être, non ? Ah, pour être sûr que personne n'ait d'accident ici. Voilà, ça c'est pour l'esprit collectif. Voilà. Ok. Pourquoi c'est écrit en coréen? Mais parce que les coréens ont inventé la technologie, c'est bien connu. Ah, c'était prouvé que les chaises ne sauvent pas la vie. We're here. Okay, great. Time to hijack ourselves a submarine. There will be nothing stopping us when we have the Dunbat. You guys sure have a lot of machines and vehicles down here. What makes this one so special? It's the only transport that can go into the abyss without cracking like a can of soup. If this is one of a kind, then how did they get the Ark down the abyss in the first place? That's a good question. I suppose they did it the hard way and just walked. Didn't realize that was an option. Kath, what's it like inside the Ark? Is it like a movie or virtual reality? No, of course not. It's, you know, like real life. C'est comme dans la vraie vie, en mieux. Pleasant temperature, clean air,
Il y a quelqu'un qui te parle du streaming. Some people in the Ark just walk around pretending it's the real world? You don't have to pretend, it's perfectly immersive. And it can just sustain itself? Yes. Attached to a probe fueled by solar panels, it could survive for thousands of years. That's amazing. Just amazing. Thinking about the Earth being what it is and us setting out to save the final Terre, remains pas la Terre of humanity, en planète, mais un T majuscule, mon gars. Désolé, mais... Heroic. At least it feels worth doing. Here we go. The Dunbat. Dunbat. Damn it. I knew it was too good to be true. What's wrong? It's quarantine. Ouais, j'ai jamais compris, hein, mais... Hold on. We need a security cipher. Oh non! It's we don't write these things down type of bad. Maybe someone's still around who can tell us what it is. Sure. Let's go with that. I'll just unlock the other doors for you so you can explore the station. GG Katoche! Find someone who knows the security cipher. Trouver quelqu'un? Et est-ce qu'il faut que je le tue lui aussi? Et que je dise que c'est pour le travail? État du site. Carte, mot principal, ok, on est là. Où est-ce que se trouve le disjoncteur? Personnel. Invité. Guest. Et guest bientôt mort. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui! Attends, ça fait le bruit d'une main coupée quand ça tombe. Enfin, c'est un copain qui m'a raconté. Allez chercher la... Hop là! Ok. Michel! Ça me donne envie de repartir. Ça me donne envie grave de repartir. Ça me. Why would they all leave this floor? I don't get it either. It's like they all just cleared out. What's so interesting downstairs? Just labs and offices. Et... Maybe the shuttle station. Alien. Should we go check? Rather not. Got a bad feeling about this. Le fameux mauvais pressentiment, très bien. André! Les sorties de secours sont... Oh, pas par là. Attends, il y avait quoi comme... Ah non, mais c'était une fausse impression. Quand je suis arrivé par là, j'ai cru que le... ça allait jusqu'au bout, en fait. Et qu'il fallait swagger en dessous. Ouais, les quartiers. Non, 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 non. André! Non, l'autre côté... L'autre côté, c'était scellé. J'ai chance, Simon. André!
André! André! André! Okay. Ouais, j'ai un joueur de robot, ouais. J'ai un robot ultra perfectionné. Mais reste ouvert dans un cul. Pardon. Mais qu'est-ce qui a pu faire ce genre de... C'est pas comme ça qu'on ouvre la porte. Des fois qu'on a changé de poche, coiffure. Ça s'est éteint. Et on essaie de comprendre pourquoi. Qui ça? Il y a des noms, j'ai pas envie d'ouvrir. Bonjour, vous êtes méchant? André? Ah, c'est tout fermé. Préférez pas un whisky d'abord? Ok, on est là. On a ouvert l'autre porte. La porte, ça doit être le couloir en face. Parce que... Les scans, c'est pour dupliquer l'individu. Strasky, come in. I need help in the lab, the scan room. What happened? Conrad killed himself after the scan. Jesus, how? Tu vas bien? Maser tool. What should I do? I'm gonna need to tell Strohmeyer. No, please! I'm so close. Strohmeyer's gonna shut down the ARC project. It's not my fault people keep killing themselves. Catherine, what are you gonna do? It's not like you can sneak a 300-pound body out of the lab. I know. Aide-moi, Catherine, are you okay? Not even close. Si les gens se tuent. Allez! Laisse-moi faire une base spatiale. 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 C'est pas ma faute, il est mort. C'est qu'un cadavre. Il fait 150 kilos et c'est bon, quoi. Ça va. What? Check the terminal. I just want to make sure. Okay. Compte NAN. Bon, je vais pas supprimer les données. C'est un coup à ce que... Ok. Est-ce que pareil, supprimer les données? David Munchie. How did this... What is this? Mais David Munchie, c'est pas celui qui nous devait nous faire passer le scan au début? Au tout début? Mais oui!
Mais oui, vous avez vu les dates? Nous, la date à laquelle on s'est fait scan... Attends, j'arrête, c'est nous! Kath, what is this? Why do you have a file of me? You are one of Dr. Munchie's templates. A legacy scan. C'est nous! Okay, that's it. Wow, that was fun. That's a relief. Still figuring this out, so... This freaky. So many lights. What do we do now? Paul and I are gonna run tests for a week or so, and then we'll work out a roadmap to your recovery. Well, I feel excited. Can't wait to get back to the living. Le monde est vivant, le monde est vivant. We've worked everything out. Everything is legal. Vouched for by Dr. Peak and Professor Wei. Oh, that's great news. Tout est légal. No big change in medication. You'll be taking an aspirin every morning, but that's about it. Paul worked out a diet with some variations you should try out. You can continue doing physical therapy. Also, there's some extra cardio training every other day. Okay, getting complicated. Don't worry, it's really not. We're gonna keep an eye on you every week, so we'll be able to adjust the plan if needed. Vous avez pas l'air super inquiet, hein? The model was sound. It should have worked. It's not your fault, David. I really wish things had turned out differently. Yeah, me too. I was supposed to save you. Hey, you got my brain on file. Maybe you can put it to some use. Yeah, who knows? Dernier rec, déso. You'd be okay with that? Using it for my research? Sure. It's like a part of me lives on or something. Like a donated organ. You know what sucks about dying? What? La fin. Crash. Everything up till now, the brain damage, you guys, everything, has made my life so much more real. I started thinking about all the things I was going to do. I'd never been more excited to be alive. All that hope. Wasted. What's a legacy scan? They're historic templates for AI construction. Any self-respecting engineer wouldn't use legacies anymore, but they're great for learning. They come with every development kit. So, my brain scan turned into a template for artificial intelligence. Oui, l'intelligence, wow. So much for that mystery. No magic or time travel needed, I was here all along. Waiting for someone to shove a picture of my brain into a suit and hit the power button. J'ai pas envie de supprimer les données. Je peux, mais... On ne sait pas encore de quoi il est mort, en effet. En revanche... c'était pas Bali, Balou. C'était pas... C'était un peu oupsi, hein, comme expérience. Hein. Aïe, aïe, aïe. Et le début du jeu, le début de l'histoire, c'est on s'assoit dans un endroit à peu près comme ça. Hein. C'est très déshabillé, non ? Welcome to my place. When I started the art project, I pretty much lived in this lab. Cozy. André, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ça va être genre de Nintendo. This is where I would store the ARC scans. Are they similar to my legacy file? No, yours is flatter, if that makes sense, less dynamic. Thanks. That makes me feel much better. C'est là que je stocke des âmes. Eh ben voilà! A plus des âmes! Damage. Hop!
tout le monde, il est mort et remort. Hein? Fast. An intact memory chip. If we're lucky, we might be able to extract the cipher from it. La population humaine. Ou ce qu'il reste. Bon bah merci hein, d'avoir survécu. Aïe, pardon, excusez-moi, pardon. C'est pas des biscuits secs, mais quand même. Là, c'était tout cosy. On va pouvoir aller dans l'espace qui ressemblait à une forme de prison. Hein. Alors ça, c'était le dortoir. Très bien. À gauche, en haut, il y avait une sorte de couloir. Et c'est là où on est arrivé au bout et que le cerveau, il a fait... Bah ben non, c'était pas là. Faudra ouvrir. Simon, the last report filed by the staff mentioned struggling with something called a proxy. The proxy we killed was blind, just like Akers, but it listens. Careful, we spotted two more by the infirmary. What do they look like? Not sure. It seems to be human enough to pass for a crew member at a distance. Tall, dark, and ultimately faceless seems to be what to look out for. I'll keep my eyes open. Okay. Et c'est un... Le mec, il avait une perceuse et un lance-flamme en trophée. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, normal. Moi aussi, je collectionne ce genre de choses. Pratique. Ah, tag. Ok. The legacy scan of me that was on the computer. What did you use it for? It's a template that has an intelligence pathwork already etched into the base. So, if I wanted to build an AI, I wouldn't have to reinvent a whole model. I would be able to focus on the things that the AI is to be used for. Is every AI self-aware? Do they also think they're Simon? What? No, Simon, don't worry. It's not like we just put people into robots and machinery and let them roam free. That'd be really cruel, it doesn't work like that. Or at least it didn't used to work like that. Truly sentient machines, thinking they are people, is definitely new. But you kept them sentient for the Ark. Yes, and I basically had to invent the method. Est-ce que c'est inquiétant? I seriously doubt you'll find anything useful in there. Bonjour. Ok. 6 juin 2103. Ah, là, c'est la pièce, c'est la salle de Katoche, hein. Imogen Reed a testé une machine aujourd'hui. Celle-ci a manifestement été corrompue par le WOW, mais son assemblage semble primitif, comme si quelqu'un l'avait spécialement conçu pour permettre au WOW d'en prendre le contrôle. Une fois activée, la machine a présenté une simulation de la pièce et de Reed. Reed a alors été scannée et sa simulation cherchée dans l'espace numérique. La présentation très choquante pour Reed a rapidement été écourtée. Le plus inquiétant, c'est que ça me rappelle ma capsule ERA. 14 juin, donc 6 juin, 14 juin. On est à... Ouais, 80 et quelques années près de ma mort, finalement. La dissection de la machine Vivarium activée par Reed a révélé que le WOW a copié mon projet de capsule pour construire la scène contenant la simulation de Reed. Sa conception est presque identique, à une exception près. Ma capsule contient des personnes inanimées conçu à partir de neurographes des modèles, alors que les scans cérébraux du Vivarium sont animés. Le contenu n'est pas limité au scan cérébral dont a émergé Reed. La Reed du Vivarium était une copie parfaite. Ça y est, je vais pouvoir sauver lui. Pardon. Excusez-moi. Désolé. Je suis en mesure de créer des capsules de réalité artificielle contenant tous les membres vivants de Pathos 2. J'ignore comment ça fonctionne à Vivarium, mais je peux répliquer la technique du scan de WOW à l'aide des sièges de pilotage. Ils sont déjà dotés du type de tambour électromagnétique requis. Le jour suivant. C'est ça. Le jour suivant. 22.
C'était encore plus facile que ce que je pensais. Attends, mais est-ce qu'il faut que je le fasse avec une voix de méchant? Ça a été encore plus facile que ce que je pensais. Les sièges de pilotage sont déjà configurés pour la diffraction et la haute énergie nécessaire à la capture du scan. Je soupçonne le WoW d'avoir utilisé le siège pour voler nos scans, d'où la présence de ces oiseaux moqueurs. Le WoW a dû voler les scans à l'aide du siège de pilotage et les utiliser comme base pour l'intelligence des machines, ya! Pardon. Nous avons officiellement lancé le projet ARC et la réaction de l'équipe a été étonnamment positive. Nous devons scanner le plus de gens possible et charger les scans dans la capsule. Nous la lancerons ensuite dans l'espace à l'aide du canon spatial. Cette idée de continuité me plaît beaucoup. Ah, attends, c'est Sarang ça? Qui avait balancé l'idée de continuité là? C'est lui, le geek avec des lunettes. Le seul d'après les autres trois entretiens. Parce qu'il y avait deux autres entretiens. Il y en a un qui disait... alors je m'emmerdais beaucoup, franchement ça m'occupe, je trouve ça charmé. Et le premier il disait... Ok cool, c'est tout. 12 juillet. Oh. Très bien. Mark Sarang s'est suicidé après son scan. Il a encouragé tout le monde. Attends mais... Ok. Il a encouragé tout le monde d'en faire autant pour accéder à l'arc. Je ne vois pas comment ça pourrait fonctionner. Je suis à l'origine de nombreuses disputes entre les membres du personnel. Je me sens un peu coupable. Oh, bah écoute, disons que... En partant du principe que tu pousses les gens à se suicider, c'est un peu plus qu'une dispute, wesh. Stromheimer est en colère contre moi. Il est colère, hein. Il est tout rouge, tout colère. Tout ça parce que... les gens, ils s'auto-tuent. J'espère qu'il va se calmer, wesh. Richard m'a donné des modèles d'IA que je n'avais encore jamais vus. On les déployait afin de créer un nouvel ami pour la capsule Catherine. C'est moi son nouvel ami! Simon! La nouvelle méthode de simulation de turbulence améliore considérablement le système... Ah! J'ai toujours... de ouf voulu... améliorer le système météo. J'ai un plan implémenté Reed, mais ça s'est mal passé. Nouvel essai avec Reed. Reed ne s'intègre pas bien. Elle est trop réelle. Ok. Colère. What's a little projector? Looks homemade. That's my attempt at building of a variant. It's kind of a proto arc. Pardon, je le re-range. Ok, et je veux pas, genre juste allumer. Non mais... C'est quoi ça? Ouais, j'ai quelques conseils si vous voulez prendre soin de ma ficulation. What's with the junk? Looks like something you'd fish out of the ocean. Huh? Des poids, du muscu, très bien, parfait. Yeah, that's a part of Reed's vivarium, it's... It's a long story, forget it. Ok. Un bonnet, une bouteille. You have a lot of toys. Faut le casser. Ah, une brosse, parce que c'est une fille. Une poupée, parce que c'est une fille. Teddy bear could use some repairs. Toby always breaks. He's top heavy, so he keeps falling over. Je saurai m'en servir, sachez-le. C'est lui qui a été à bloc sur la continuité. Ça, c'est là où on... Ok, ils se nourrissent de la lumière. Ça, c'est là où on met nos points et tout.
Je sais pas. Ah! You're not worried that there are other Simons or Catherines running around out there? Now I am. Geez, Simon, some thoughts are better left alone. Ah, si on me dit rien, moi! Si on me dit rien... Comment je peux s'asseoir? Ok. Chers amis, quand vous lirez ceci, je serai à bord de l'arc. Comme je l'ai expliqué, pour y parvenir, il vous suffit de... Ah, génial, 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 faites pas ça, génial. Ok, il vous suffit de vous suicider après votre scan. Pour ne pas effrayer Catherine, j'incorporerai des sels de... Il y a toujours cette sorte de sels, ça marche très bien. Dans un chewing-gum. Que je mettrai dans ma bouche avant d'aller la voir. Dès que je l'entendrai annoncer que le scan est terminé, je mordrai dans le chewing-gum, ce qui entraînera rapidement... Frident 2033. Lorsque vous découvrirez la vérité sur ma mort, sachez qu'il ne s'agit pas d'une tragédie, mais d'une victoire. Je vous conseille tous d'en faire autant pour me rejoindre à... Skippy, Skippy. Question sur le moi, qui êtes-vous? Que signifie être humain? Votre corps et votre environnement vous limitent-ils ou vous définit-ils? Toutes ces notions sont difficiles à appréhender tant que vos interrogations n'ont pas été validées par la pratique ou mystifiées par l'esprit. Dans le livre, Pavlina Martinu, professeure de philosophie à l'université de Charles de Prague, retrace l'histoire des grands penseurs en compilant leurs réflexions sur l'identité. La nature d'identité. Okay. I wonder what the real Simon would have thought if he knew about me. What do you mean? You do know about yourself. No, I mean the real Simon. The human Simon. Going by your reactions, I'd say you'd be pretty upset. Pas bougé de ça. Suis-je moi ou suis-je un autre? Qu'est-ce que pourrait penser le vrai Simon? Je sais pas. Tu es débile. Ah. Ok, pas de lumière. Pas de lumière possible. Là, c'est un truc dégueulasse. Ça se ferme. Mais non, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, rien. Carthage, tout là. Bon, ben... On va mettre le doigt... Oh, si, mettons le doigt dans la lumière. Faisais pas ça. Non, le doigt! Le doigt! Du plaisir. It makes me feel a lot better. Helps me focus. That's the wow you're hooking up to. I need it, okay? I wouldn't have made it this far without it. Let's just keep going. Ok. Je peux connecter au wow en faisant ça, très bien. Oh! Bonjour, 3615. Alors, quand je dis 3615, bien sûr, j'exclus 99% du chat qui est né après 2015. 3615, bonne ambiance. Il faut bien mourir un jour, de toute façon, je suis partant.
Ok. C'est pas moi qui ai jeté la balle, touché la balle. Attends, il y a quelque chose dedans à mettre ou pas? Non, hein? J'ai pas l'impression. Et là, il y a un document. Mon Dieu, une mouette du Havre. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Solide, hein? C'est juste un truc qui s'ouvre et qui se ferme là, il n'y a rien à mettre dedans. Pourtant, je suis pas contre, hein, mais. Ok, alors ça. Ah! Non! Ça c'est ok. Ça c'est ok. Ça c'est ok. On a vu tout ça. Hein. On a récupéré toute la doc qui devait être ici. On essaie de tout ouvrir, on a récupéré les scans. Oula, je pense que c'est un truc. Hein. Connexion à l'unité centrale impossible. Allez. Ah, ok. Allez réinitialiser. Vous savez, je suis celui qui, à l'époque, hein, où il y avait des manuels de jeux vidéo, et certains d'entre vous se reconnaîtront dedans, les manuels dans la boîte de jeu, eh bien, vous lancez le jeu sans lire le manuel. Bonjour! Niveau inférieur et contenez. Ok. Niveau inférieur, maintenance. Ah oui, c'est ça. Je suis celui qui s'énerve sur Soul Calibur en faisant « Mais comment on fait l'attaque spéciale ?» Ok, niveau inférieur. C'est pas ça un truc chelou. C'est niveau inférieur là. Ah. Oh non. Oh non, 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 non. André ? Non. Non, non. Bienvenue dans la cave de la modération.